Good afternoon from Miami Beach. It's Dr. John Bennett of Neurosurgery TV. I have Neuroanatomy. I got to change it. It's Neurosurgery Surgical TV. We have the honor to have the Surgical Club of the Congo here today, and it's going to be in French, and I'm going to introduce Lakuya. These are the last English words you're going to hear. Bonjour, Lakuya. Bonjour. Merci beaucoup. Et bonne soirée ou bonjour, ça dépend là où vous vous trouvez. That's a bit too much for you. OK, bonjour à tous nous qui sommes connectés encore à ce moment. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série des échanges. Et nous sommes dans la semaine, je pourrais même dire les mois, de la neurochirurgie. Et vous savez que dans nos sessions, nous discutons la prise en charge des traumatisés graves. Et essentiellement, nous allons discuter aujourd'hui, encore une fois, d'une autre option de prise en charge des traumatisés graves. Et ici, ce sont des traumatisés crânio-encéphaliques. Et précisément, on va discuter de la prise en charge chirurgicale. La présentatrice du jour, ça sera Docteur Sarah Mouton. Elle est neurochirurgienne au Congo. Et puis, elle va encore une fois continuer la discussion qu'on avait déjà commencée avec les autres orateurs, notamment Docteur Kaboulo et Docteur Safari. Et nous allons continuer avec la même discussion, cette fois-ci en mettant beaucoup d'accent sur les aspects chirurgicaux. Bienvenue, Docteur Sarah. Vous avez déjà la parole. OK. Un petit moment, je règle juste. Comme nous attendons encore la présentation soit encore une fois complète, je nous rappelle que nous avons aujourd'hui des panélistes qui sont là déjà. Et ça sera Docteur Patène Safari qui va diriger la partie complémentaire des panélistes. Mais aussi, il y a Docteur Kaboulo qui va nous compléter. Sans oublier que nous avons aussi deux éminents invités, notamment Docteur Katumba. Je crois que je l'ai vu quelque part dans la salle. Et nous avons Docteur Njamouche. Il va aussi certainement contribuer quelque chose. Et nous allons continuer avec à notre session de discussion comme toujours. Soyez à l'aise. Nous sommes dans la famille de discussion. Et je crois que nous aurons une très bonne soirée d'échange. Sans plus tarder, j'ai remis encore la parole au Docteur Sarah pour la suite. Vous arrivez à voir mon écran? 5 sur 5. D'accord. Alors, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous faire une présentation sur le traitement chirurgical des traumatismes crânio-encéphaliques. Alors, nous allons... Voilà, ça n'avance pas, hein. OK, c'est bon. Alors, je vais me servir du plan ci-après ce soir. Ça sera assez succinct. On va parler d'une brève introduction. Ensuite, on fera les indications chirurgicales en fonction des différentes entités anatomopathologiques avant de conclure. Alors, l'intérêt de la question déjà repose premièrement sur l'épidémiologie avec la fréquence des traumatismes crânio-encéphaliques. Aussi du fait que les traumas crânio-encéphaliques, pour la plupart, enfin pour certains, constituent une urgence neurochirurgicale. Et là, j'aimerais quand même soulever l'apport du scanner ces dernières décennies, parce que vraiment, ça a révolutionné la prise en charge des traumas crânio-encéphaliques. Et pour finir, en ce qui concerne le pronostic, alors
certaines lésions telles que les hématomes extraduraux, les hématomes sous-duraux aigus peuvent engager le pronostic vital. Alors, comme première entité anatomopathologique, on va voir les plaies crânio-cérébrales, alors, qui constituent une communication directe entre les espaces sous-arachnoïdiens avec l'environnement extérieur au travers d'une solution de continuité qui est généralement ostéodurale. Et elle est causée par un agent vulnérant. Alors, la fréquence est assez basse, elle varie entre 2,5 et 3,5 de tous les traumatismes crânio-encéphaliques. On peut la rencontrer à tout âge, mais elle est très fréquente chez les sujets jeunes. Alors, on a un risque infectieux qui est assez élevé dans ce type de lésion, avec une répercussion parfois du processus hémorragique qui peut mettre en jeu le pronostic vital à court ou à moyen terme. Il s'agit d'une urgence neurochirurgicale. Le diagnostic positif est basé généralement sur un examen clinique qui est minutieux et qui doit être couplé à une tomodensitométrie. Alors là, on a un exemple de plaie crânio-cérébrale. Alors, on voit bien la classique bouillie cérébrale que l'on décrit lorsqu'on a une plaie crânio-cérébrale. Alors, dans ce cas, la plaie, elle est certes fermée, mais le fait qu'on ait un agent vulnérant qui va jusqu'à l'intérieur, ça constitue une plaie crânio-cérébrale aussi. Alors, quelles sont les indications des plaies crânio-cérébrales? Alors, toute plaie crânio-cérébrale doit aboutir à un traitement chirurgical. Alors, comme on l'a dit, c'est une urgence compte tenu du risque infectieux et des séquelles qu'elle peut générer. Le principe chirurgical est basé sur une exploration qui sera soigneuse. On devra faire une hémostase, un nettoyage minutieux au sérum salé isotonique et parfois à la bétadine, même si ça prête parfois... Enfin, il y a parfois des controverses par rapport à cette théorie. Un débridement devra être fait et une reconstruction hermétique des différents plans devra être faite pour terminer. Alors, comme stratégie, généralement, l'incision chirurgicale peut reprendre la plaie traumatique. Généralement, on aime bien reprendre la plaie que le patient est venu avec. Elle peut être élargie vraiment en fonction du chirurgien, bien sûr. On peut réaliser une craniotomie ou juste une ischiotomie, c'est-à-dire qu'on retire juste l'os qui est embarré ou bien les corps étrangers qui sont visibles. Bien sûr, en ayant une imagerie, c'est-à-dire un scanner qui peut nous montrer déjà où se situent les lésions, où se situent les corps étrangers. Et aussi, il faut visualiser la plaie de la dure mère. Alors, le temps cérébral consistera principalement au traitement des lésions intracrâniennes. Alors, il faudra faire une ablation des esquilles osseuses en intra-parenchymateux, des débris parfois métalliques, si elles sont accessibles. Généralement, c'est dans le cas des plaies par arme à feu. Et il faut se méfier d'une plaie des sinus, une plaie du sinus, je prends l'exemple du sinus sagittal supérieur, alors qui peut être obturée par un fragment osseux et qui peut saigner lorsqu'on va essayer de retirer par exemple, l'os qui sera embarré ou qui sera impacté au niveau du sinus. Alors, dans ce genre de cas, il faut essayer de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de faire un rapport bénéfice-risque entre l'ablation de ce fragment, est-ce qu'il faut faire une ablation, comment le faire, à quel moment le faire, parce que ça peut être très catastrophique en fait durant la prise en charge. Et ensuite, il faudra faire une réparation de la brèche sinusale par une plastie. Alors, on fera une résection parfois des tissus cérébraux qui seront lésés ou dévitalisés, de manière assez large pour éviter une infection ultérieure. Et il faudra quand même essayer de rester assez économique pour éviter un déficit neurologique ultérieur. Il faudra évacuer un épanchement intracrânien éventuel et faire une hémostase cérébrale soigneuse.
Ensuite, il faudra réaliser une réparation durale, refermer la dure-mère de façon étanche, par des simples points de suture linéaires, ou bien s'il y a une perte de substance ou une hernie cérébrale, on peut essayer de faire une autogreffe, c'est-à-dire on fait une apposition de périostes d'épicrâne ou bien de fascia lata. Ensuite, la reconstruction osseuse se fera. Idéalement, c'est bien de le faire dans l'immédiat ou bien secondairement en faisant une crânioplastie différée. Ensuite, le temps cutané, sous-cutané et cutané, c'est-à-dire la fermeture de l'incision par les différents plans. Alors, il faudra faire une surveillance particulière, c'est-à-dire vraiment guetter un écoulement du LCR qui peut présager de la persistance d'une brèche durale, en fait. Et dans ce cas, généralement, on peut faire des ponctions lombaires déplétives quotidiennes ou faire un pansement compressif de manière à favoriser la cicatrisation de la brèche. Et s'il y a persistance de cet écoulement, alors là, il faudra envisager une réopération pour une meilleure étanchéité durale. Ensuite, il faut aussi traquer un syndrome infectieux parce qu'il y a un risque accru de méningite et de suppuration intracrânienne telles que des abcès ou des empyèmes qui peuvent se faire ultérieurement. Alors, dans le deuxième, comme deuxième entité, on va parler des embarrures. Alors, celle-ci résulte d'une fracture de la voûte du crâne avec déplacement d'un fragment osseux menaçant ou lésant le cortex cérébral. Elles évoluent rarement de manière isolée. Très souvent, elles sont associées à des lésions intracrâniennes telles que des hématomes ou des contusions hémato-hémorragiques et responsables de déficits neurologiques. Et elles se caractérisent par une nature, excusez-moi, par leur nature ouverte ou fermée. Alors, selon que le scalp, selon l'intégrité ou pas du scalp sous-jacent. Alors, la prise en charge n'est pas consensuelle. Alors, l'indication et le timing chirurgical, généralement, dépendront de la nature ouverte ou bien fermée de l'embarrure, de l'évidence d'une lésion associée telle qu'une plaie crânio-cérébrale, un hématome sudural aigu ou un hématome extradural, et parfois de l'évolution de la patient aussi, qui est très important. Alors, il arrive que l'on fasse une palpation douce hein, au niveau de la lésion, au niveau de cette embarrure. C'est un temps qui est assez capital. On peut avoir juste une petite tuméfaction, mais en essayant de palper, on peut présager d'une marche d'escalier qui peut nous faire penser à une embarrure, en fait. Et c'est assez difficile lorsqu'on a un gros œdème ou un hématome sous-cutané qui peut masquer cette embarrure. Alors, les différents types d'embarrures qu'on peut avoir, on a des embarrures en balle de ping-pong. C'est un simple enfoncement sans rupture corticale. Généralement, on les retrouve chez le nourrisson. On peut avoir des embarrures aussi en marche d'escalier qui réalisent un détachement total d'un fragment osseux ou des embarrures multifragmentaires ou multi-esquieuses qui réalisent généralement des fracas et que l'on appelle en puzzle, en fait. Alors, le siège de l'embarrure, il est généralement le plus fréquent, c'est au niveau frontal. On peut en avoir au niveau pariétal, temporal, de manière décrescendo en allant jusqu'à l'occiput. Et au niveau de la base du crâne, il arrive qu'on en ait, surtout au niveau de l'étage antérieur. Alors là, nous avons un type, sur la première iconographie de haut à gauche, on a une classique embarrure en balle de ping-pong. Et sur celle du bas à droite, c'est une embarrure en marche d'escalier. Alors là, on a une classique embarrure chez un nourrisson, chez un nouveau-né, pardon, une embarrure en balle de ping-pong, sûrement due à un traumatisme obstétrical. Alors les indications chirurgicales dans les embarrures, généralement, c'est la présence d'une fracture ouverte et dépressive chez un nourrisson ou un enfant. La dépression du fragment embarré qui est supérieure à 5 mm sous la table interne de l'os sous-jacent. Certaines personnes le décrivent en termes de pourcentage, mais d'autres peuvent juste le décrire en termes de millimètres. La présence d'un délabrement cutané évident et la présence d'un hématome péricérébral ou intracérébral chirurgical qui est associé.
On peut aussi avoir la présence d'une pneumocéphalie qui évoque une brèche durale et qui doit forcément poser une indication chirurgicale. Ensuite, on a un déficit. On peut aussi avoir, en cas de déficit neurologique qui s'aggrave et faisant évoquer l'expansion d'un hématome ou une compression corticale, il faut poser une indication chirurgicale. Et en cas d'une déformation importante qui est inesthétique au niveau du crâne, il faut aussi y penser. Alors, la stratégie chirurgicale, généralement, lorsqu'on a une embarrure avec une durmère qui est intacte, on a un temps osseux, un temps cutané, un temps osseux, qui est classique, un peu comme dans la plaie crânio-cérébrale. Donc, on repère l'embarrure, on fait un lambeau pédiculé, un bilan de toutes les lésions osseuses, on fait une ischiectomie si nécessaire. Ensuite, il y a le temps méningé et cérébral, une vérification de la durmère minutieuse. S'il y a un doute sur l'étanchéité ou pas de la durmère, n'hésitez pas à ouvrir et ensuite réaliser la vérification du cortex. Ensuite, le temps de fermeture, excusez-moi, il ne faudra pas hésiter à utiliser du coton chirurgical ou tout hémostatique qu'on a l'habitude d'utiliser, tel que du surgicel, ou du gel foam. Faire une suspension de la durmère, c'est très important. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler des hématomes extraduraux. Ensuite, faire la reconstruction de la reconstruction osseuse en faisant un puzzle avec les morceaux d'os que l'on peut avoir. Et ensuite, une suture du lambeau cutané. Alors là, on a différents types d'installations en fonction du lieu ou de la localisation de l'embarrure que l'on peut avoir. Là, on voit qu'on a une embarrure frontale, ici une embarrure frontotemporale sur l'iconographie intitulée B. Et sur celle de C, c'est une embarrure en marche d'escalier qui est occipitale. Alors, on peut voir les différents temps qu'on a décrits tout à l'heure, donc l'ischiectomie, le retrait des différents fragments osseux qui, après avoir réparé la durmère, pourront être... Enfin, là, on n'a pas une durmère ouverte, mais après avoir vérifié l'étanchéité de la durmère, on pourra reposer les différents fragments en puzzle. Alors, en cas d'embarrure avec une durmère qui est lésée, généralement, on réalise un lambeau cutané, un volet osseux, vérification du tissu cérébral comme d'habitude. On fait une incision avant même d'inciser la durmère. On peut essayer d'inspecter et de présager s'il y a une atteinte corticale ou pas. On fait une incision de la durmère un peu plus élargie que la plaie que l'on a. Ensuite, on peut faire une suture ou une plastie de la durmère si cela est nécessaire. Ensuite, un remodelage osseux qui sera fait soit au fil ou bien avec des plaques de titane. Ce n'est pas très fréquent dans notre contexte. On fait généralement des trous transosseux et on referme avec du fil. Et ensuite, on fait une suture cutanée. Alors là, une iconographie qui montre un petit peu ce que l'on vient de dire. Les différents temps, c'est-à-dire l'élargissement de la durotomie, ensuite la reconstruction osseuse qui sera faite plus tard, juste après. Alors, en cas d'embarrure en balle de ping-pong, généralement c'est inesthétique. On fait une petite incision cutanée, un petit trou de trépan, juste sur le rebord de l'embarrure, et on fait un mouvement que l'on appelle un mouvement de soulève pneu ou de démonte pneu qui permet le redressement en fait de l'os. Alors, sur l'iconographie de droite, c'est pas très clair, excusez-moi, mais vous pourrez voir le mouvement de démonte pneu qui est fait, et même sur celle du haut, qui est une embarrure en marche d'escalier, dans quel cas on peut aussi parfois réaliser un soulèvement en démonte pneu. Alors, un cas assez particulier, en cas d'embarrure avec une plaie d'un sinus veineux. On prend l'exemple du sinus sagittal supérieur. Alors, déjà, c'est une situation qui est extrêmement stressante. Le neurochirurgien hésite avant d'y aller parce que la levée d'embarrure peut être très hémorragique. Généralement, il faut faire une large exposition, avoir un bon contrôle distal et proximal du sinus.
manipuler de manière très précautionneuse les différents fragments. Et en cas de plaie punctiforme, on peut essayer de faire une suture, une petite suture en brosse, ou bien faire une apposition de surgicelle. Alors, s'il y a dilacération du sinus, dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de faire généralement une plastie. Alors, il faudra faire très attention lorsque la lésion se situe au niveau du tiers moyen ou bien du tiers postérieur, parce que dans ce cas, il est quasiment pas possible de réaliser une ligature. Alors là, c'est une imagerie, une radio qui nous montre une embarrure qui est vraiment au niveau du sinus sagittal supérieur. Et sur l'iconographie de droite, c'est un dessin qui essaie de montrer en fait comment reconstruire, comment faire une plastie en fait sinusale pour permettre à ce que la circulation puisse continuer. Alors, en cas d'embarrure du sinus frontal, les complications qu'on peut avoir sont généralement des rhinorrhées ou des pneumocéphalies. On peut aller même parfois à une méningite, un abcès ou un empyème. Alors, généralement, on réalise une chirurgie. Si l'état du patient le permet, on le fait le plus tôt possible. Et on essaie d'avoir une bonne exposition. On fait une ablation des muqueuses sinusiennes, c'est-à-dire qu'il faut crânialiser le sinus. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ensuite, on fait une réparation du mérienne. Alors, sur l'iconographie intitulée A, en haut à droite, où on voit la suture coronale, les deux sutures coronales, il y a, en fait, le pointillé montre l'incision qui sera faite, en fait, une incision bicoronale. Ensuite, on fera on va recliner l'épicrâne, on va recliner la galéa jusqu'à visualisation en fait du nerf supraorbitaire qu'il ne faudra pas léser bien sûr. Ensuite, il faudra essayer d'exposer au maximum pour pouvoir visualiser la lombarure qui est située au niveau du sinus frontal. Et généralement, alors, si on est en présence d'une embarrure avec une lésion de la dure mère, il faudra bien sûr la réparer. C'est l'iconographie que l'on voit en bas à gauche. Mais dans certains cas, il n'y a pas de lésion de la dure mère. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est crânialiser le sinus, c'est-à-dire vraiment essayer de faire communiquer, essayer en fait de faire communiquer l'endocrâne avec la paroi du sinus. Et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est que vraiment on va enlever tout ce qu'il y a comme petits fragments et tout, et on va remettre, généralement on met de la graisse autologue bien sûr, on met du muscle, ou on peut mettre des fragments osseux aussi pour essayer de boucher en fait cet espace-là. Et enfin, quand on a fini, on va reconstruire on va remettre le volet, et ensuite essayer de reconstruire en puzzle toujours l'embarrure avec à base soit de fil ou bien de petites plaques en titane. Alors, une situation assez particulière, c'est la fracture évolutive. Alors, la fracture évolutive est une entité que l'on retrouve généralement chez l'enfant de moins de 3 ans. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre S à 1. Elle est due à un élargissement progressif en fait d'une fracture linéaire qui est due à un kyste leptoméningé. Alors, on a une brèche méningée associée à une lésion cérébrale qui est en regard de la fracture qui a été faite. Et cette brèche est vraiment indispensable à l'évolution en fait de la lésion. Donc, dans un tiers des cas, généralement, on est face à une commissialité, donc les patients présentent des crises convulsives. Il y a parfois possibilité d'un déficit moteur en fonction de l'évolution de la lésion. Généralement, le siège le plus rencontré, c'est le siège pariétal.
Et il peut arriver qu'il y ait une interposition des structures cérébrales entre les berges de la fracture. Et en fait, c'est ça qui permet même, qui empêche, pardon, le fait que les ostéoblastes puissent migrer vers le site de la fracture et permettre la consolidation de l'os. Alors là, on a un exemple de fracture évolutive où on peut voir un nourrisson avec une sorte de tuméfaction en fait, qui l'on peut voir ne dépasse pas en fait la ligne médiane. Ensuite, sur l'iconographie du haut à droite, à l'extrême droite, on peut voir en fait le kyste leptoménager que l'on a décrit et ce qui est représenté sur les iconographies en bas. Donc le traitement constituera à rompre en fait ce kyste leptoménager et à réparer la brèche durmérienne de manière à ce que le cerveau ne puisse pas, parce qu'en fait ce sont les pulsations du cerveau qui font à ce que le kyste puisse non seulement évoluer mais aussi que parfois le parenchyme puisse s'interposer. Donc en réparant la brèche, c'est de manière à pouvoir vraiment régler le problème. Alors, le pronostic de ces lésions, le pronostic immédiat, il est fonction du niveau de la sévérité de l'atteinte neurologique et dépend de l'évolution des troubles neurologiques. Et à distance, généralement, il est fonction de l'évolution des troubles neurologiques initiaux et de la gravité des lésions qui étaient associées. Alors, on va prendre un autre point, on va parler d'une destruction cellulaire par hémorragique. Alors, il s'agit d'une lésion qui est encéphalique et qui est liée généralement à une onde de choc traumatique. Alors, le docteur Sarah, vous sortez un peu entrecoupé pendant ces temps? Ces lésions sont généralement, on sait tous que au niveau frontal et au niveau pariétal hérité. Me saisissez là. Votre connexion bouge un peu. Dit, vous me saisissez. Là, vous m'entendez? Maintenant, ça va. D'accord, ok. Alors, je disais que le siège des contusions était généralement frontal et temporal, et ça c'était dû au relief particulier que l'on rencontre au niveau de ces régions. On a des petites aspérités en fait osseuses au niveau frontal et au niveau temporal qui font que lorsque l'on a un choc ou une lésion d'accélération, on peut avoir le choc en fait va vraiment se retentir au niveau du pôle frontal ou du pôle temporal et créer des contusions à ce niveau. Alors l'hémorragie, généralement, c'est une simple contusion, mais qui est faite d'une petite hémorragie et qui peut devenir importante au point de constituer même un hématome intraparenchymateux. Alors, on a deux types. Parfois, c'est juste un foyer de contusion qui est associé à un œdème cérébral qui est rapidement progressif et qui peut devenir massif au cours des 12 à 72 heures qui suivent le traumatisme. Dans ce cas, on a donc une hypertension intracrânienne chez un patient qui était initialement, par exemple, conscient et qui commence à se traduire par une fracture neurologique qui est, entre guillemets, retardée. Et c'est le classique cas du patient, enfin, du Torg and Deteriorate Syndrome. Alors, on a aussi le cas d'une forme plutôt bénigne qui est un œdème d'un foyer de contusion qui est œdémato-hémorragique. Et qui cause rarement une élévation de la pression intracrânienne. Alors, dans ce cas, généralement, on a juste un état de conscience qui est conservé et une amélioration des lésions dans les 48 à 72 heures. Alors, l'indication chirurgicale des contusions cérébrales, généralement, c'est un volume supérieur à 15 millilitres avec un déplacement de la ligne médiane qui est supérieur à 5 millimètres. Lorsqu'on a une oblitération des citernes de la base aussi, ça constitue une indication.
Lorsqu'on a une hypertension intracrânienne qui est incontrôlable par un traitement médical qui est bien conduit, il faut faire une évacuation le plus rapidement possible. Alors, comme stratégie chirurgicale, généralement, il s'agit d'une exérèse du tissu nécrosé et des caillots que l'on peut avoir. Alors, je ne vais pas reprendre toute la démarche parce qu'on n'a pas, je n'ai pas énormément de temps, mais donc on fait une crânie. Il peut arriver même que l'on aille jusqu'à une craniectomie décompressible. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'évolutivité de la lésion, en fait. Il peut s'avérer qu'une simple contusion devienne un gros hématome intraparenchymateux, par exemple. Il peut aussi s'avérer que l'on fasse une lobectomie dite de sauvetage. Alors ça, c'est un geste qui se discute vraiment au cas par cas. Alors, les images ne sont pas très claires, mais c'était juste vraiment pour pouvoir illustrer l'installation du patient, hein, en fonction de la localisation de la lésion. Ensuite, la réalisation du volet osseux après avoir réalisé le temps cutané. Et le temps, je veux dire, le soulèvement en fait, du volet, de manière à pouvoir vraiment... On est dans une, je veux dire, on évolue en Afrique, on n'a pas on n'a pas un arsenal chirurgical très très développé comme dans certains pays où ils n'hésitent pas à utiliser par exemple une neuronavigation pour retrouver une lésion. Alors nous, c'est vraiment en essayant de se repérer grâce au scanner, c'est vraiment notre seule arme. Donc essayez de faire en sorte que votre volet soit bien se situe vraiment au niveau de la lésion que vous essayez d'atteindre. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, la suspension de la dure-mère. Certaines personnes préfèrent le faire avant, juste avant la fermeture. Mais d'autres, ça c'est mon cas, j'aime bien faire une suspension de la dure-mère avant même la durotomie, c'est-à-dire avant d'ouvrir la dure-mère. Alors, ça permet même de pouvoir déjà empêcher le sang du décollement de la dure-mère de pouvoir même entrer au niveau de la lésion. Donc, faire une suspension de la dure-mère et ensuite faire l'ablation, comme j'ai dit tout à l'heure, enlever le cortex qui est lésé, enlever les caillots que l'on peut avoir et ensuite refermer la dure-mère. Ensuite, on fera bien sûr le temps osseux et le temps cutané. Alors, l'évolution et le pronostic. Le potentiel évolutif va vers l'aggravation sous forme d'un œdème cérébral, parfois, autour des lésions qui sont hémorragiques. Et on peut avoir une hypertension intracrânienne qui est secondaire, du fait de qui est secondaire et qui doit être évaluée par le Glasgow. Les réflexes du tronc cérébral, la mesure de la pression intracrânienne qui n'est pas très évidente dans nos contrées et les examens tomodensitométriques. Alors, le pronostic, lui, il rejoint généralement celui de l'hématome sudural aigu qui est généralement associé à de grosses contusions et on peut avoir des séquelles neurologiques qui peut être systématique après. Alors, je vais dire juste un mot sur l'hémorragie méningée post-traumatique. Alors, sur l'iconographie de gauche, on peut voir qu'au niveau des sillons, on a vraiment une présence, je veux dire une hyperdensité qui représente une hémorragie méningée. C'est très fréquent, enfin pas très fréquent, mais ça arrive que lorsqu'on a un traumatisme crânio-encéphalique, on n'ait rien d'autre qu'une simple hémorragie méningée. On le sait tous, les méninges sont très vascularisées et ça peut être très très difficile pour le patient parce que c'est des céphalées atroces qu'il va présenter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler? Parce que les hémorragies méningées peuvent évoluer vers une hydrocéphalie et qui va nécessiter en fait une dérivation ventriculaire externe. Par quel mécanisme? Parce que juste le fait que la présence de sang au niveau des cisternes de la base, qui parfois même peuvent se retrouver au niveau des ventricules, on peut avoir une effraction ventriculaire, ça va donc boucher les granulations
de Pacioni et la résorption du LCR ne se fera pas convenablement. On aura donc une hydrocéphalie secondaire qui va s'installer et qui parfois nécessite qu'on puisse faire une dérivation ventriculaire externe. Alors, ensuite, je vais parler des hématomes extraduraux. Alors ça, c'est la vedette des urgences neurochirurgicales et ça constitue la hantise du neurochirurgien. Alors, il s'agit d'une collection sanguine qui est développée entre la dure mère et la table interne de la voûte du crâne. C'est une grande urgence neurochirurgicale dont les manifestations cliniques peuvent s'observer généralement à partir d'un volume de 25 millilitres, pardon. Et le pronostic vital est généralement engagé pour un volume qui est supérieur à 100 millilitres. Le siège est le plus souvent temporal et parfois pariétal. Et cela est dû au trajet en fait, de l'artère méningée moyenne qui constitue généralement une des causes principales en fait, de l'hématome extradural. Alors, les lésions traumatiques intracrâniennes des lésions associées peuvent être rares. Alors, il constitue une fréquence de 3 à 4% de l'ensemble des TCE. Il est associé à un TCE grave dans 15% des cas et il y a un pic d'incidence lors de la deuxième décade. C'est généralement les gens âgés de 20 à 30 ans qui présentent des hématomes extraduraux. Et ils sont généralement rares dans les âges extrêmes. Parce qu'on sait que chez les enfants, par exemple, ils ont un crâne souple et les vaisseaux méningés ne sont pas encore bien ancrés dans l'os. Et chez les personnes adultes, la très, très collée à l'os et donc on peut avoir des difficultés. Enfin, on n'a pas facilement un hématome extradural qui peut se développer. Alors, là, une iconographie qui nous montre un petit peu la topographie, si je peux dire, classique de l'hématome extradural avec la légendaire localisation au niveau de l'espace de Gérard Marchand. Alors, là, j'aimerais juste attirer votre attention sur un hématome extradural qui peut être associé à un hématome sudural aigu et qui représente le classique signe le symbole du yin-yang. Donc, en fait, c'est l'iconographie de droite que vous voyez qui peut en fait pas juste on n'a pas juste la forme de l'hématome extradural que l'on a généralement comme une lentille biconvexe, mais on a aussi une sorte de petite queue qui se continue et qui peut faire présager de la présence aussi d'un hématome sudural aigu. Alors les indications chirurgicales, généralement lorsqu'on a un volume supérieur à 30 cc, quel que soit le score du Glasgow, il faut évacuer l'hématome extradural parce qu'il peut s'aggraver ou il peut toujours augmenter, ou lorsqu'on a une épaisseur supérieure à 15 mm avec un shift qui dépasse 5 mm, un score de Glasgow inférieur à 8 et un déficit focal, il ne faut pas hésiter à y aller parce que là vraiment chaque minute compte. Et il est décrit, hein, certains des auteurs décrivent même qu'on peut réaliser en fait un simple trou de trépan le temps de pouvoir évacuer le patient. En fait, ce trou de trépan peut être salvateur parce qu'il va permettre de diminuer un peu la pression en évacuant un peu de sang. Alors là, c'est un algorithme en fait qui représente les indications, en fait, les indications chirurgicales de l'hématome extradural. C'est vraiment ce que je viens de décrire. Ensuite, la stratégie chirurgicale, l'installation se fera en fonction du siège, bien sûr. Il y aura un temps cutané, un temps osseux, quasiment comme ce qu'on a décrit déjà tout à l'heure. L'évacuation de l'hématome sera faite en faisant une irrigation et une aspiration douce pour ne pas léser le cortex sous-jacent. Et ensuite, on fera une fermeture plan par plan, bien sûr, en laissant un drain. Alors, là, on a des images d'hématome extradural.
sur l'iconographie du haut à gauche, on peut voir, après avoir retiré le volet, on peut voir en fait le caillot, le caillot de sang, entre guillemets, si on peut dire, du sang coagulé. Ensuite, faire toujours faire la suspension, voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'iconographie de droite, toujours suspendre, parce qu'en fait, la suspension va éviter à ce que, même s'il y a un décollement qui persiste à saigner, en suspendant la dure mère, ça va vraiment essayer d'arrêter ce saignement-là. Et ne pas oublier aussi de faire une suspension centrale. Je pense que sur l'iconographie du bas à gauche, la suspension centrale n'a pas été faite. Et ça, c'est une erreur parce que en ne faisant pas la suspension centrale, on peut aussi avoir un hématome extradural qui se reconstitue à ce niveau-là. Alors, le pronostic, généralement, il est fonction du délai de la prise en charge, de l'âge, de la symptomatologie clinique préopératoire, et notamment du corps de glaive initiale. Aussi la présence des lésions cérébrales associées ou de la taille de l'hématome. C'est sûr qu'en fait, qu'un hématome de 30 cc ne sera pas... le pronostic d'un patient avec un hématome de 30 cc ne sera pas le même que celui d'un patient avec un hématome de 100 cc. Alors, en ce qui concerne les hématomes sous-duraux aigus, il s'agit d'une collection sanguine qui est développée entre la dure mère et le cerveau. Le terme aigu en fait se rapporte juste au fait que c'est une installation ou une apparition qui se fait dans les 72 heures qui succède le traumatisme. C'est l'une des lésions entre guillemets neurochirurgicales les plus graves. Elle constitue entre 1 à 22% de tous les TCE et retrouvée chez 21% des TCE graves. Alors on a une prédominance entre 20 et 40 ans. On peut la retrouver aussi, on peut retrouver les hématomes sous-duraux aigus chez les nourrissons lorsqu'on est face à des traumatismes obstétricaux et chez les personnes âgées, généralement favorisées par la prise d'anticoagulants ou même d'antiagrégants plaquettaires. Alors, un très fort taux de mortalité qui va de 50 à 80%. Et il faudrait dire qu'il est 4 fois plus élevé encore chez les sujets de plus de 65 ans. Alors là, nous avons un hématome sous-dural aigu qui est assez... sur l'iconographie de gauche, on peut voir que c'est un gros hématome qui fait un shift et on a quasiment une disparition même des sillons du côté ipsilatéral. Alors, le but du traitement, premièrement, c'est de décomprimer le cerveau au moment le plus favorable, d'évacuer la plus grande quantité de sang possible et d'assurer une hémostase et de prévenir un engagement cérébral. Alors, les indications chirurgicales seront une épaisseur d'un hématome qui sera supérieur à 10 mm ou une déviation qui sera supérieure à 10 mm ou une déviation de la ligne médiane qui sera bien visible. Alors, un shift supérieur à 5 mm, quel que soit le score du Glasgow, une épaisseur de l'hématome parfois inférieure à 10 mm, mais avec déviation de la ligne médiane inférieure à 5 mm, mais associant les signes ci-après, devront aussi constituer une indication chirurgicale. Et ces signes sont un score de Glasgow inférieur à 9 ou une perte d'au moins 2 points dans le Glasgow entre le moment du traumatisme et l'heure de l'hospitalisation, la présence d'une anisocorie ou d'une mydriase et une pression intracrânienne supérieure à 20 mm de mercure. Un algorithme aussi qui représente les indications dont nous venons de parler. Alors, la stratégie chirurgicale sera de faire soit une craniotomie, soit une hémicraniectomie. Alors, l'installation du patient, je vais quand même m'attarder sur l'hématome sous-dural aigu. L'installation du patient sera donc, le patient sera en décubitus dorsal, la tête sur une tétière, soit un Mayfield ou bien une tétière en fer à cheval, et cette tête sera tournée du côté contralatéral à l'hématome. Alors, le zygoma ipsilatéral, bien sûr, sera mis au zénith. On n'hésitera pas à mettre un bio sous l'épaule pour favoriser
l'exposition et éviter une rotation exagérée du rachis cervical. Ensuite, au niveau du tanné, une incision, généralement en point d'interrogation si c'est à gauche ou point d'interrogation inverse si c'est à droite. On peut aussi faire une incision en U, qui est une alternative, mais il faut toujours penser au risque de lésion de l'artère temporale superficielle en réalisant l'incision et aussi de la branche frontale du nerf facial. Donc l'incision se fera toujours à 1 cm du tragus pour pouvoir rejoindre la région pariéto-occipitale ipsilatérale. Alors, il faudra limiter l'incision au moins à 1 cm de la ligne médiane que l'on trace généralement au marqueur afin d'éviter de prendre le sinus sagittal supérieur. On fera une dissection sous-cutanée et musculaire. Alors, je vais juste insister sur la dissection du muscle temporal qui généralement doit aller jusqu'au ras, surtout lorsqu'on peut penser à faire une hémicraniectomie. Il faut aller au ras du zygoma afin de faciliter la craniectomie sous-temporale. Alors, craniectomie ou craniotomie. Généralement, lorsqu'on a un hématome sous-dural aigu isolé, on peut faire une craniotomie fronto-temporo-pariétale. C'est un traitement qui est idéal. Il permet au chirurgien d'avoir une bonne visibilité sur l'épaule temporale et frontale, sur les veines de drainage du sinus sagittal et permet de détecter aussi de contrôler un éventuel saignement. Le choix de la craniotomie ou de la craniectomie dépendra des lésions que l'on constatera bien sûr en préopératoire à l'imagerie et aussi du constat de l'effet de masse que l'on a en préopératoire lorsqu'on a un œdème cérébral. On peut bien sûr demander à l'anesthésiste de nous mettre du menthol, mais on a quand même un cerveau qui pousse. Donc en fonction de ça, on peut peut-être revoir l'indication. Et enfin, parfois, ça dépend aussi de la préférence du chirurgien. Une fréquence élevée de lésions associées à un hématome sous-dural aigu, tel qu'un œdème cérébral post-traumatique, des foyers de contusion et d'hémato-hémorragie, on l'a dit tout à l'heure, ou des hématomes qui suggèrent d'envisager ou de planifier une large hémicraniectomie décompressive. Alors, le temps osseux sera... On va donc réaliser des trous de trépan. Généralement, on en fait 4 ou 6. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, on peut aller jusqu'à faire plusieurs trous de trépan rapprochés parce que l'on sait que chez eux, la dure mère est intimement accolée à l'os. Et en faisant des trous éloignés, on peut facilement léser la dure mère lorsqu'on utilisera la scie. Donc, on peut faire plus de trous de trépan chez une personne âgée. Ensuite, on retirera le volet osseux. Il est impératif de réaliser une bonne craniectomie sous-temporale, on va le voir tout à l'heure, de manière à permettre vraiment une expansion latérale du lobe temporal. Et c'est aussi un geste salvateur parce que ça peut prévenir en fait un éventuel engagement temporal. Alors là, on voit le volet qui est réalisé. On peut même visualiser déjà en bas, on voit en fait l'effet bleuté de la dure mère qui reflète la présence d'un caillot en dessous. Alors là, c'est une petite vidéo qui montre comment on fait l'ablation de l'hématome sous-dural aigu. Toujours en rajoutant, on l'a dit tout à l'heure, en faisant une petite irrigation, on enlève le caillot avec une petite spatule. Bon, cette spatule est assez pointue. C'est vrai qu'on utilise une spatule qui est bien mousse de manière à ne pas léser le cortex. Alors, ensuite, on réalisera une fermeture de la dure mère, on reposera le volet et on fera une fermeture plan par plan des différents plans cutanés, bien sûr, sur un drain de redon en aspiratif ou bien en siphonnage en fonction de la préférence du chirurgien parfois. Alors,
Les indications de la craniectomie décompressive dans les tissus graves, généralement lorsqu'on a une pression intracrânienne qui est supérieure à 20, on a un risque d'ischémie cérébrale. Et si on a mis toutes les thérapeutiques médicales et invasives telles que une dérivation ventriculaire externe, mais que tout cela n'est pas suffisant, il faut penser à faire une craniectomie décompressive, voire une duroplastie. Alors, on a parfois deux situations différentes. On peut faire une craniectomie prophylactique ou une décompression initiale, avec ou sans lobectomie. On évacue un hématome intracrânien dans le but d'éviter en fait l'évolution de l'hypertension intracrânienne. Et dans l'autre cas, on peut faire une craniectomie thérapeutique ou secondaire lorsque la pression intracrânienne n'est pas contrôlée par le traitement médical et, ou bien on doit réaliser une reprise chirurgicale dans un second temps après une évacuation d'un hématome qui n'a pas réglé le problème. Alors, la stratégie chirurgicale, soit on fait une craniectomie unilatérale ou bilatérale, on peut faire aussi soit une craniectomie frontale ou bicoronale. Les modalités thérapeutiques, généralement, il faut faire un grand volet. On décrit généralement un volet qui va entre 12 et 15 cm. En descendant bien sur la base du crâne au niveau temporal, on l'a dit. Et en faisant attention aux arêtes osseuses, parce que ces arêtes osseuses peuvent non seulement léser la dure mère, mais aussi léser le cortex, léser une veine, et on a tous les problèmes du monde qui se ramènent, pardon. Ensuite, on réalise une duroplastie à base d'épicrâne, ou généralement, en tout cas, on choisit une substance autologue, voilà, et pour éviter en fait toute situation de rejet ou bien d'infection. Alors, sur cette iconographie, j'ai voulu représenter l'incision cutanée en fait en point d'interrogation lorsqu'on réalise un volet hémisphérique, unilatéral bien sûr. Alors, on voit en pointillé par où passe l'incision cutanée, ensuite la réalisation du volet. Alors, le petit point vert nous montre vraiment comment il faut descendre au niveau de l'écaille temporale pour arriver à enlever cette écaille temporale et prévenir une éventuelle compression du mésencéphale qui représenterait un engagement temporal. Alors, la taille de la craniectomie, généralement, elle doit être grande. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est recommandé qu'elle soit grande. Il y a deux études monocentriques dont on va parler tout à l'heure, qui ont décrit en fait de manière comparative quels sont les résultats en cas de craniectomie bifrontale ou bien unilatérale. Alors là, on voit comment on réalise le trait d'incision lorsqu'on veut réaliser une craniectomie bifrontale. Le volet, il faut toujours faire attention au sinus veineux et au sinus aortique. Si on ouvre le sinus frontal, ne pas hésiter à le crânialiser. Et donc voilà sur cette iconographie comment réaliser un volet bifrontal. La réalisation du volet à droite, à gauche, comment est-ce qu'on enlève l'épicrâne. Ensuite, l'ouverture, la duroplastie ou bien l'ouverture durale. En fonction du chirurgien, hein, mais généralement, lorsqu'on veut faire une duroplastie, la majeure partie des chirurgiens font une ouverture étoilée, mais on a d'autres qui peuvent faire une ouverture arciforme. Alors, on peut voir comment on fait l'interposition comment on peut interposer le patch au niveau de l'ouverture pour pouvoir réaliser la plastie. Et sur l'iconographie du bas, on voit un scanner cérébral de contrôle avec la craniectomie qui a été réalisée. Alors, comment préserver le volet osseux? On peut faire une nourrice abdominale qui n'est plus très réalisée, je pense, de nos jours, c'est-à-dire qu'on garde le volet au niveau du tissu adipeux sous-cutané de l'abdomen, ou bien on peut le conserver
On peut le congeler à moins 80% ou carrément on le jette et on fait une crânioplastie ultérieurement. Et dans d'autres alternatives, on peut juste reposer le volet et refermer la peau en constituant un volet flottant. Alors voilà la nourrice abdominale qui est représentée sur cette iconographie. Alors, je vais juste revenir sur les indications de la craniectomie décomprimée. Glasgow initiale entre 6 et 8. Une pression Docteur Sarah, je intra-articulaire m'excuse. des thérapeutiques médicales. Oui. Je sais que la présentation est très intéressante. Si vous pouvez aussi penser à résumer, parce que nous courons aussi derrière les temps. Merci. Oui, je suis en train de chuter là, en fait. Voilà. Ou aussi lorsqu'on a au Doppler transcrânien, on a des ondes systoliques ou un pic systolique avec disparition des ondes diastoliques. Alors, les facteurs prédictifs de mauvais pronostic, c'est l'âge supérieur à 65 ans, les comorbidités, un Glasgow qui est entre 3 et 5 et la multiplicité des lésions. Alors, ça, c'est l'étude dont on a parlé tout à l'heure. C'est une étude comparative qui a été faite, qui a comparé deux études, en fait, l'une publiée en 2011 et l'autre en 2016, qui compare vraiment les résultats que l'on a dans les craniectomies décompressives. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut réaliser une craniectomie, pardon, une crânioplastie a posteriori, c'est-à-dire soit à 6 mois, à 3 mois ou à 6 mois. C'est vraiment en fonction parfois du chirurgien, en fonction de l'évolution du patient, du syndrome, s'il y a eu ou pas infection. Et certaines personnes n'hésitent pas à le faire dans les 15 jours qui suivent la chirurgie. Alors voilà, ça c'est une étude qui décrit à quel moment faire la crânioplastie. En conclusion, la prise en charge chirurgicale des traumas crânio-encéphaliques déjà a été révolutionnée par le scanner. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord. Il faut un bilan préopératoire qui est minutieux. Alors, j'insiste sur l'importance d'une bonne installation du patient parce qu'on le sait, hein, la neurochirurgie, c'est l'installation. Et c'est vraiment déterminant d'une bonne visibilité et d'une bonne accessibilité de la lésion par le neurochirurgien. Et parfois, il ne faut pas hésiter à faire des approches en double équipe lorsqu'on a des gros fracas, par exemple. On peut faire appel à un ORL, à un chirurgien maxillofacial. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Sarah. Ça a été vraiment très intéressant et enrichissant pour tous ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui. Sans plus tarder, comme nous courons derrière le temps, nous allons commencer par inviter nos différents panélistes pour intervenir. Je vais d'abord donner la parole à docteur Caboulot, qui est déjà dans la salle. S'il peut déjà commencer son intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Lekuya. Merci beaucoup, docteur Sarah, et félicitations pour cette brillante présentation. J'ai eu l'opportunité de suivre cette présentation avec notre professeur Kalangu, qui est à mes côtés. Alors, je souhaiterais parler le dernier, comme il est là, il va aussi parler, il va aussi donner son commentaire. Il a été très content de l'exposé, qui a été très clair et très pertinent. En tout cas, félicitations. Je rappelle que Dr Sarah est la première et l'unique neurochirurgienne en RDC. Donc, je souhaite que prof parle le dernier. Merci beaucoup, docteur Lekuya, si les autres peuvent commencer. Merci. OK, merci beaucoup pour cette intervention courte qui nous signale déjà la présence de notre maître dans la salle. Et je crois que je ne vois pas docteur Safari. Il nous avait fait un texte qu'il est dans l'embouteillage et je crois que la connexion n'est pas encore très bonne pour lui. Et je ne vois pas non plus docteur Katumba qui était dans la salle. Non, je suis là.
Oh, ok, merci beaucoup. Je vous fais l'honneur de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lekuya. Je voudrais d'abord, bien sûr, féliciter le Dr. Moutombe pour sa présentation. Ce sujet, il est très complexe, comme vous le savez. Donc, le résumé en une heure, ce n'est pas tâche facile, mais en tout cas, il a fait honneur à la tâche et en tout cas, je la remercie pour ça. Deux petits ou trois petits commentaires, parce que bon, il est déjà 21h10, donc il ne faudra pas qu'on reste jusqu'à minuit. Le premier commentaire, c'est un peu une question sémantique. Elle a parlé à un moment de l'espace de Gérard Marchand. Je ne savais même pas où ça se trouvait, mais en fait, c'est mieux de donner ce genre d'espace avec la localisation anatomique. Comme ça, tout le monde se retrouve, pour dire au niveau pariétotemporal ou temporal. C'est plus facile, comme ça, on n'a pas à se gratter les méninges. Alors, un deuxième petit commentaire que je voulais faire, c'est qu'il est vrai que quand on a un traumatisé crânio-encéphalique sévère et qu'on n'a pas le... Disons, on se retrouve sur les lieux de l'accident où on arrive, disons, à la salle d'urgence, mais les facilités, n'est-ce pas, radiologiques ne sont pas disponibles. Il faut faire un trou de trépan. La question, c'est où faire le trou de trépan? En principe, vu la gravité, n'est-ce pas, des traumatismes crânio-encéphaliques, surtout si on a un hématome, disons, épidural, il est souvent conseillé de faire le trou de trépan au niveau temporal ou pariétotemporal. En tout cas, le trou de trépan doit être assez bas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est la localisation préférentielle de ce type d'hématome. Et le risque, c'est que plus l'hématome grossit en volume, plus on court le risque, n'est-ce pas, d'un engagement. Et on se retrouve dans une situation avec une édème, avec une hernie au niveau de l'uncus. Comme vous savez, les différents types de hernie, elle peut être centrale, elle peut être au niveau de l'uncus, elle peut être au niveau du foramen magnum avec l'engagement cérébelleux. Donc ça, en fait, c'est quelque chose à connaître, bien que souvent, on a la facilité de que le malade arrive, on l'amène en salle d'op, enfin, oui, en salle d'op, en passant par la radio, on fait un scanner et on trouve la localisation et on évacue l'hématome. Alors, un moment, quand il a parlé de l'hématome subdural aigu, qui est une extrême urgence, bon, il a parlé d'une spatule aiguë. C'est vrai, c'est peut-être une question d'habitude, mais personnellement, ce que je fais ou ce que je conseillerais, c'est juste utiliser un peu de coton, le cotonoïde imbibé de sérum physiologique. Comme ça, vous enlevez l'hématome calmement, vous n'avez pas de risque d'aller, disons, léser le parenchyme qui est déjà en situation très, très sensible. Dernier point, ce sera mon dernier commentaire. L'hématome subdural aigu, pourquoi est-ce qu'il est porteur d'une mortalité si élevée, jusqu'à 80%? En fait, la raison, est simple. Quand on a ce type d'hématome, souvent il s'accompagne de beaucoup de contusions. Ça, c'est une chose. Et on ne sait pas courir derrière les contusions cérébrales pour les neutraliser. Mais l'autre événement qui s'ensuit, c'est la présence d'un, ce qu'on appelle, je vais donner le mot, enfin, comment dirais-je, l'appellation en anglais, c'est pas pour faire le malin, mais c'est plus facile. On a souvent ce qu'on appelle diffuse axonal injury. Donc, on a en fait des lésions axonales diffuses. Et ces lésions axonales diffuses sont porteuses d'un pronostic très, très, très sévère. Pourquoi? C'est parce qu'elles vont entraîner un œdème cérébral assez aigu et on retrouve, n'est-ce pas, les éléments au sujet desquels on a discuté la fois passée. Avec un œdème cérébral aigu, on se retrouve dans une situation, n'est-ce pas, de perturbation, n'est-ce pas, de l'autorégulation avec processus de l'ischémie, augmentation de l'inflammation et en fait avec production au niveau, n'est-ce pas, de la filière de cyclooxygénase, des cytokines, de chémokines, avec production de facteurs oxydatifs qui entraînent en fait la caspase et qui seront responsables en fait de la mort cellulaire. Donc, c'est ça en fait qui fait peur, enfin, qui fait peur, oui, c'est vrai, quand on a un hématome sous-dural aigu. Voilà, c'est ça le commentaire que je voulais faire à vous, docteur Lekira. Merci. Merci beaucoup encore une fois pour votre intervention, Dr. Katou. On est vraiment encore une fois enrichi. Et je crois que je vais faire l'honneur encore au prof d'intervenir.
S'il n'y a pas d'autres intervenants, je crois que je vais inviter le prof Kalangu à travers les microphones de Dr Kaboulo. Merci beaucoup, Dr Lekuya. Je vous passe prof Kalangu. Bonsoir à tous. Félicitations pour la présentation qui est magnifique. On a bien suivi. Et Sarah, tu as été vraiment dans tous les détails et nous sommes très contents donc de cette présentation. J'avais juste un petit commentaire à faire concernant la craniectomie décompressive. C'est un geste très important qui doit se faire le plus tôt possible. Mais le problème, c'est de savoir à quel moment le faire. Quels sont les critères que tu emploies pour dire maintenant on fait la craniectomie ou alors on attend d'abord? Quels sont les critères que tu emploies? Docteur Sarah, je crois que la question vous est encore une fois adressée. Ok, voilà, j'ai activé mon micro. Alors, professeur, je crois que premièrement déjà c'est... l'imagerie que l'on aura du patient, l'état dans lequel, je veux dire, le Glasgow du patient, mais aussi, est-ce que le patient répond aux thérapeutiques médicales ou pas? Donc, si on voit qu'il n'y a aucune évolution, quoi que l'on fasse pour pouvoir améliorer l'état du patient, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller, en fait. Ok. Voilà, tout à fait d'accord avec toi. Moi, je crois que notre critère qu'il faut ajouter, c'est qu'il faut observer la ligne médiane. La ligne médiane, dès qu'elle dépasse 5 mm, et en plus, si le patient, le Glasgow-Comascale, passe, par exemple, de 12, par exemple, si ça baisse, la ligne médiane bouge davantage et le Glasgow-Comascale commence à perdre des points, c'est-à-dire le malade qui avait 13 a maintenant 12, il ne faut pas attendre que le malade ait 10 pour pouvoir faire la craniectomie. Il faut la faire tout de suite parce que la suite des événements, ce sera là, comment dirais-je, l'aggravation du malade. Depuis qu'on a mis ça en route, nous sommes parvenus vraiment à sauver beaucoup de malades. Je parle de pronostic vital. Maintenant, bien sûr, le malade qui arrive avec des contusions, comme tu l'as bien décrit, ces déficits-là, nous ne pouvons pas, disons, les améliorer. Mais le pronostic vital s'est amélioré d'une manière très, très importante. Voilà, c'était ça un petit peu mon commentaire, ma question. Merci beaucoup, Sarah, c'était très bien. Merci, professeur. Est-ce que je peux... Donc, est-ce qu'il y a encore un commentaire? Oui, vous pouvez commenter. Oui. Oui, d'abord, je veux dire bonsoir au prof Kalangu. Ça fait plaisir de t'entendre, ça fait un bail. Je voulais juste un peu ajouter un élément, disons, mathématique à ce que le prof vient de dire, au commentaire que j'ai fait. La question, n'est-ce pas, du timing pendant lequel il faut faire la craniectomie est très importante. C'est vrai, il faut suivre, n'est-ce pas, l'évolution neurologique du malade. Il faut l'évaluer régulièrement. Mais notre élément, c'est en fait la pression intracrânienne. Généralement, elle doit être réfractaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si, il y a maintenant deux écoles, il y a une école qui dit, voilà, si la pression intracrânienne est élevée pendant 15 minutes, au courant, disons pendant une heure, c'est un élément suffisant pour faire la craniectomie. Une autre école dit, oui, c'est vrai, mais il faut que la pression intracrânienne soit élevée, mais pendant une période un peu plus longue, de 1 heure à 12 heures. Si pendant cette période, la pression intracrânienne reste réfractaire, c'est-à-dire elle est élevée, et en dépit de tout ce qu'on donne comme, disons, cocktail pharmacologique, elle ne parvient pas, n'est-ce pas, à baisser, alors à ce moment-là, bien sûr, il faut faire la craniectomie. C'est ça le petit commentaire que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire. Excusez-moi, merci docteur. Okay. En fait, c'était ça. C'est pour ça que j'ai mis les études en fait de
de DECRA et RESCUE qui définit justement ça, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir décrire en fait tout ce qu'ils décrivent, tout ce que les deux études concluent en fait. Ok, merci beaucoup pour ce commentaire. Je nous rappelle encore qu'il y a un autre aspect des choses dans cette prise en charge, c'est que nos patients ne sont pas des TCE isolés. Ils ne viennent pas seulement avec un traumatisme crânio-encéphalique. Ils ont souvent aussi d'autres lésions associées qui contribuent à leur état. Donc, on doit aussi penser à faire ce qu'on appelle les protocoles des ABCD, mais toujours adresser ceux qui tuent les premiers. Et il y a toujours une question qui reste toujours en suspens lorsqu'on a un patient qui saigne à l'abdomen et puis qui en même temps a un TCE grave qui nécessite une chirurgie, des décompressions. Alors, quel est le choix des modalités? Toujours, la question n'est pas toujours très bien comprise en termes de resuscitation, en termes de faut-il baisser, faire l'hypotensive? Oui, ça, il faut faire une permissive resuscitation ou il faut élever la pression artérielle pour continuer à perfuser le cerveau? Cette question aussi reste encore pendante en fonction de nos discussions antérieures. Docteur Lekouya, je peux parler? Merci beaucoup, vous pouvez parler. Merci beaucoup, c'est Docteur Kabolo. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'est vous qui avez parlé déjà de ABCD de réanimation en trauma crânien. Si je ne me trompe pas, c'était vous, Docteur Yanga. On avait déjà beaucoup parlé de ça. On avait insisté comment faire les airways et puis C-spine, breathing and so on. On avait beaucoup parlé de ça. Et merci beaucoup pour avoir rappelé les principes. Je voulais juste quand même remercier encore Dr Sarah. Et j'ai beaucoup aimé quand elle a parlé plutôt des embarures. Vous voyez, avec les embarures, il y a des indications. Souvent, on parle de quand il y a une brèche de la dure mère, quand il y a l'embarure 100%, quand la dépression dépasse la hauteur ou l'épaisseur de l'os. C'est une indication, une dépression qui est au niveau du sinus, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir maintenant quand est-ce qu'il faut élever une embarure, quand est-ce qu'il ne faut pas élever, quelles sont les contre-indications et quelles sont les indications. Et en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé aussi quand il a parlé de la craniectomie décompressive. Là, ça reste une question, comme prof l'a dit, partout, il faut savoir quand est-ce qu'il faut y aller et quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Comme on a toujours dit qu'un vrai chirurgien, il connaît quand est-ce qu'il ne faut pas opérer. Donc, un chirurgien ne connaît pas seulement quand est-ce qu'il faut opérer, mais il connaît aussi quand est-ce qu'il ne faut pas opérer. Donc, j'avais beaucoup aimé aussi cette partie. Et quand est-ce qu'il ne faut pas faire ça et quand est-ce qu'il faut faire la craniectomie décompressive. Donc, voilà, je remercie beaucoup Dr Sarah, je remercie tous ceux-là qui sont venus aujourd'hui et aussi l'intervention de notre maître, prof, et aussi de Dr Katumba. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Je ne vois pas des questions. Est-ce qu'il y avait une question? Je ne vois pas dans mon chat. Je n'arrive pas à lire une question. Docteur Yanga? Yes. Docteur Yanga? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, alors je crois qu'il y a une question en fait. Il y a quelqu'un dans la salle qui demande dans quelles conditions peut-on indiquer une intervention neurochirurgicale en cas d'une plaie crânio-cérébrale balistique. Alors,
Bon, faudrait dire déjà que cette question porte à controverse, hein, parce que il arrive que lorsqu'on a des plaies balistiques, la balle se... Bon, ça dépend. On peut avoir une balle qui, par exemple, traverse tout le cortex et va se poser du côté contralatéral, vraiment non loin de l'os, tout comme on peut avoir une balle qui se pose au niveau de la base. Donc, dès lors qu'on a une plaie par balle qui est profonde, généralement, il ne faut pas... Je veux dire, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de neurochirurgiens qui vont aller chercher la balle en profondeur parce qu'on peut causer plus de dégâts que de bien. En tout cas, moi, je ne pense pas à mon niveau. C'est vrai que je suis encore jeune en neurochirurgie. Je ne sais pas, peut-être le prof Kalingu ou le docteur Katumba pourront nous éclairer, mais moi, je n'irai pas chercher ça. Si la balle est superficielle, ok, je peux essayer de la retirer, essayer de faire hémostase et de réparer en fait la dure-mère, mais dès lors que c'est profond, non. Et puis, je connais, enfin, j'ai eu à rencontrer une personne en fait qui vivait avec une balle qui était, qu'elle a toujours dans l'encéphale comme ça et miraculeusement peut-être n'a jamais fait de méningite et vit avec de manière tout à fait normale. Donc peut-être que nos aînés pourront nous éclairer là-dessus aussi. Professeur Kalingu, nous avons besoin de votre opinion. Docteur Katumbivo, si vous voulez commenter. Ce que Sarah vient de dire est tout à fait exact. On rapporte que la vitesse cinétique de la balle est telle que quand elle pénètre, n'est-ce pas, au niveau de, d'abord du crâne et puis il se retrouve au niveau de enfin, du cerveau, elle est presque stérile. Bon, on n'a pas vérifié ça. Mais le principe est que quand on a une lésion balistique, on fait un débridement au niveau de l'entrée, du point d'entrée. Et puis, on laisse la balle là où elle est. Si le malade survit, tant mieux pour lui. Il ne faut pas aller chercher à pêcher la balle qui est au niveau du cerveau. Il faut la laisser comme Sarah l'a dit. Bon, si la balle sort, eh bien sûr, on fait le débridement aussi bien au niveau du point d'entrée qu'au niveau du point de sortie. En se rappelant que le point d'entrée est toujours très petit, toujours punctiforme, tandis que la sortie est assez béante. Et ça, c'est dû en fait au mouvement rotatoire que la balle a pendant sa traversée. Mais je pense que ça tombe sous le sens, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Katumba. Mais je crois que mon conseil, c'est celui-ci. Quand la balle est dans le cerveau, il ne faut surtout pas la toucher. Il faut bien nettoyer l'entrée et cela suffit amplement. C'est rare que les balles qui sont dans le cerveau s'infectent. Et si on veut absolument aller enlever ça, c'est vraiment pour soigner le chirurgien. Parce qu'en voulant enlever cette balle, qu'est-ce qu'on fait? On cause encore plus de dégâts au niveau du cerveau. Et puis, ceci est aussi fonction du type de balle qui est dans le cerveau. Il y a des balles à haute vélocité et des balles à vélocité un petit peu moindre. Donc, il vaut mieux laisser ça. Il y en a qui font avec les techniques de stéréotaxie pour essayer d'aller enlever ça, mais ça devient un petit peu esthétique. En général, il faut laisser ça et ça s'infecte. C'est très, très rare que ça s'infecte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Encore une autre question, je crois que je vais encore poser à la salle concernant les timings pour les embarrures. Quel est le meilleur moment d'intervenir si on a les indications? Est-ce qu'il faut attendre ou il faut les faire à chaud? Alors, Allez-y, professeur, excusez-moi. Ah oui, non, tu peux répondre. C'est-à-dire que si c'est une embarure ouverte, là, il faut opérer dans les 24 heures. Pourquoi? C'est pour éviter, en fait, l'infection. Mais si c'est une embarure fermée,
Là, on peut attendre même quelques jours pour, avant de faire, traiter l'embarure. Mais l'embarure, à partir du moment où elle pointe du côté du cerveau, il ne faut pas dire « Oh, c'est une petite embarure ». N'oublions pas que le cerveau pulse. Alors, un cerveau qui pulse sur quelque chose de dur, c'est un traumatisme régulier. Si vous avez votre battement de cœur à 80, par exemple, eh bien, par minute, eh bien, il y a une contusion régulière au niveau du cerveau, 80 fois par minute. Alors, il faut compter maintenant sur le nombre d'années. J'avais lu un article qui était très bien, quelqu'un qui avait développé un méningiome suite à ça. C'était très, très intéressant comme observation. Donc, il vaut mieux les opérer. Alors, si l'embarure est petite, elle est bien mousse là, etc., on peut la laisser. Chez les enfants, l'embarure de type balle de ping-pong, il ne faut même pas y toucher. L'enfant fera bien sa chirurgie lui-même. Ça va s'élever sans problème. Merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je profite encore de poser encore une autre question. Hein, comme nous avons un bon panel ici, et le professeur et tout le monde peut contribuer. Et lorsque nous avons une embarure qui se pose au niveau des tiers ou un tiers moyen ou un tiers postérieur du sinus sagittal, venu sagittal, et que ça se complique déjà avec des signes de l'hypertension intracrânienne due aux thromboses des sinus. Est-ce qu'il y a lieu de risquer pour aller ligaturer? À mon avis, de toute façon, dans la formation des neurochirurgiens, la première chose à maîtriser, c'est comment s'occuper justement du sinus longitudinal supérieur. C'est très, très important. Ce n'est pas compliqué, mais il faut savoir le faire. Parce que quand le sinus commence à saigner, c'est très, très, très stressant. Mais il faut savoir comment gérer cette hémorragie. Alors, une embarure sur le sinus, il faut absolument le traiter. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, elle va former ce qu'on appelle habituellement hypertension intracrânienne bénigne. Hein? Et c'est important de soigner ça. Tôt ou tard, vous aurez ça. Donc, il faut absolument aller élever ça. Mais ça, si vous n'avez pas une expérience assez solide pour pouvoir gérer une hémorragie, alors il vaut mieux laisser, attendre quelqu'un qui peut vous assister et vous apprenez comment le faire. C'est facile, mais il faut savoir le faire. Merci beaucoup. Autre commentaire? Are you okay? Nkuya? We are okay. We are just waiting for some comments. Okay. Je crois que on ne reçoit plus beaucoup de commentaires. Je crois que je vais encore donner la parole au prof pour donner quelques closing remarks, quelques remarques de la fin. Et nous allons passer au pôle des questions. Merci beaucoup. Je suis très heureux du niveau de la présentation, du niveau de la discussion. Et c'est ainsi qu'on apprend. Vous savez, la neurochirurgie, comme toute chirurgie, c'est un art. Et l'art s'améliore tous les jours. Et on apprend beaucoup et de plus en plus. Quand je me rappelle, il y a plus de 30 ans, comment on faisait comment on soignait nos traumatisés crâniens, eh bien, les élèves d'aujourd'hui se moqueraient de nous. Un peu comme nous, on se moquait des gens qui traitaient les malades 30 ans auparavant.
Donc, c'est une science qui évolue et il faut toujours être à jour. Et le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait, le pourquoi on le fait, pour sauver le malade. Le pronostic vital et bien sûr aussi le pronostic fonctionnel est très, très important. Voilà. Je remercie beaucoup le docteur Moutombe, Sarah, qui a fait une très, très belle présentation. Et très rapidement, il faudrait qu'on passe maintenant à la pratique pour que les jeunes maintenant puissent soigner nos malades, parce que les traumatismes crâniens sont très, très élevés ici chez nous. Il faut qu'on soigne vraiment très, très bien les malades. En tout cas, encore, merci beaucoup et bravo, Sarah. Merci beaucoup, professeur. Je crois que moi, j'ai été vraiment enrichi par cette présentation et la discussion. Et je vais encore une fois donner la parole au docteur Sarah pour nous conduire dans les pôles de questionnaires. Mr. Bennett? Yes. We are now, I'm giving the floor to Dr. Sarah for leading the polls. I think you should lead with them together. Okay, that would be a good idea. Welcome everybody, thank you. We're going to do a poll, and there are no wrong answers. Just answer the best you can. Okay, you can see the screen now. Look, everyone, can you see the screen? Okay, I'm going to launch polling now. Okay. Okay, we can see. You can see. Make sure the questions are okay. Okay, Lukuya. Right. Now we can launch again. Okay, Dr. Host and panelists cannot vote. Yes, you can vote. Oh, they cannot vote? Yes. They can vote or cannot vote? Yeah, I'm able to vote. I can't understand you. Can you vote? I can vote. Okay. Yeah, I can't as I'm a co-host. Okay. Let us go. Okay. Do you see all those questions? There should be six. There's only, okay, you see all the questions? Okay, we'll just give a minute here. Yes, everything is fine. Okay, we'll just wait, give people time. Je voulais juste avoir le docteur Ekuya, sommes-nous dispensés du quiz ou devons-nous pas au quiz aussi? Je pense que ce ne serait pas très correct. It's slow. It's slowly. Hello? Yes. Yeah, Dr. Bennett, I just wanted to find... Hello? Yes. Tout le monde vote. It's an appareil. Okay. Okay. Okay, everyone, are you done? Everyone done? Lukuya, is everyone done? Lukuya? You know, every time I come back, I lost my poll. I should redo. Yeah. Okay, I'm going to end it now, okay? No one answers. How many has voted now? Okay, should I end it now, Lukuya? Oh, give us a minute. Oh, okay, good. The red, okay, great. Okay, good. 12%. Come on, guys. Please help us. Okay, that's better. Okay, now we're getting some results. Okay, I think. Okay, we got six people. That's good. That's a start. Docteur Sarah, vous avez la parole. Okay, I think we're ready now, right?
Okay, I'm going to end the polling, okay? Yes, Dr. Bennett. Okay, let me show you the... now, I'm not sure how this program works. I'm going to end it. Okay, and we have another. Oh, share results. Okay, we're going to see the results. Great. Okay, here are the poll results. Alors, vrai ou faux, lors d'une contusion cérébrale, la lésion peut être placée du côté opposé du point d'impact, ce qu'on appelle contre-coup. C'est vrai, parce qu'il arrive que l'on ait, lorsqu'on a des lésions d'accélération et de décélération, ça peut causer des coups et des contre-coups dans un autre sens, donc c'est vrai. Alors, qu'est-ce que l'embarrure? Un simple trait, je pense que tout le monde, hein, quasiment 90% des participants ont bien répondu. Qu'est-ce que l'embarrure? Un simple trait de fracture, une fracture profonde ou l'enfoncement dans la cavité crânienne d'une portion de la boîte crânienne. Yeah, alors, à 100%, on a répondu pour la troisième insertion, ce qui est vrai. Comment appelle-t-on la petite période où le patient va mieux lors d'un hématome extradural? C'est l'intervalle libre, comme il a été répondu à 100%. Alors, sont les indications d'une chirurgie à l'exception de un hématome sous-dural aigu de 30 mm dans l'étage sustentoriel, un Glasgow inférieur à 8 avec un hématome inférieur à 5 mm. Alors, je crois que l'insertion 3 et 4, c'est la même. Hein. Un hématome extradural de 15 mm dans la fosse postérieure. Et la bonne réponse, en fait, c'est la cinquième, parce que je crois que c'est la confusion qui n'est pas une indication d'une chirurgie. Alors, la craniectomie décompressive est indiquée en cas, premièrement, de pneumocéphalie, non. En cas d'hématome extradural aigu, en cas d'hématome sudural aigu, ce qui est la bonne insertion qui a été répondue à 70%. Et non pas en cas de fracture de la base du crâne, ni en cas de lésion axonale diffuse avec pression intracrânienne normale. Alors, sont les indications absolues de la levée d'une embarrure à l'exception d'une brèche turmérienne, une embarrure 100%, un déficit attribuable à l'embarrure, une embarrure des sinus frontaux ou une embarrure chez l'enfant de moins de 2 mois. Alors, professeur Kalangou en a parlé tout à l'heure, il a dit de ne pas chercher à aller lever une embarrure chez un enfant parce qu'avec la pulsabilité cérébrale, généralement une embarrure de ping-pong va se régler. En fait, la chirurgie se fera de manière physiologique, si je peux le dire. Merci. Okay, very good. Okay, let me get off this here. Hold on here. Yes, Dr. Bennett, I just noticed that some questions were not fully texted. I don't know what happened. There are questions which were partially displayed. Yes. Yes, so, well, it's like a surgical tool, Dr. Cabullo. I'm just learning how to use it. and we'll get better. Now, I have another survey I'd like to do. I want everyone to go to Kahoot.it. Okay, like I'm going to show it right now. Let me explain to them. Yeah, sure. Je m'excuse beaucoup, Dr. Lekuya, j'espère qu'il est là et c'est lui le modérateur. J'étais juste en train de dire au Dr. Bennett qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Partiellement, donc ce n'était pas des questions en entièreté comme on les a préparées par Dr. Sarah. Alors, ce qui fait que peut-être ça a perturbé aux autres comment répondre. Alors, il a dit ça va, c'est comme ça, mais il veut aussi poser quelques questions sur kahoot.it. Donc, que chacun de nous puisse aller sur son téléphone, entrer sur le lien ou bien le site internet de kahoot.it pour répondre à ce qu'il va poser. Dr. Bennett, it's all yours. Okay, we need to go to... Okay, let me share the screen first so you can understand what I'm doing. You need to vote on your smartphone. You need to get out your smartphone. That's how this works. That's how you vote. Go to www.kahoot.it on your smartphone. Okay?
And we'll see when you enter in there. We'll take a minute here, just kahoot.it and punch in that pin. It'll take a minute. I appreciate your cooperation. I see two people in there already. That's great. Two people in there. We're going to go. We got three. We're getting there. Okay, we got three people. I'm trying to get in myself. Unfortunately, Dr. Bennett, I can't get on Kahoot because I'm on my phone. Oh, okay. So it's difficult to stop this one and go on Kahoot. Okay. I'm trying to get in myself here. Just take your time. We'll get this. We'll get this. We'll get good at these. But can't you see the potential, Dr. Cabullo? Once we get to be good with this, I especially like this because I think it can help education once we learn how to use it. Okay, we got four. Looks like we're getting five people. Okay, we got five people. Let's get one more. Can we get one more? It's the same kind of, okay, great. Okay, now I'm gonna start. Now you vote on your smartphone, okay? You're gonna be given the answers. You're gonna be given the options, okay? Here we go, we're starting, okay. Okay, on your smartphone, vote with the color. Three answers. And I don't know if you want to comment, Dr. Cabullo. There's not much time, really. Okay, five people said Vry, which means true, right? Is that correct, Dr. Cabullo? Yes, Dr. Bennett. Okay, good. Okay, sure. We go to the next one. Sure. Next one, okay. This is fun, Dr. Cabullo. Sure. Okay, that's a little more close. Well, what's the correct answer, Ayanga or Dr. Cabullo? Yes, that's the correct answer. Which one, A, B, or C? C. Okay, very good. So three, yes. The majority got it. So we're learning something, okay. Next question. Thank you.
Okay, six answers. Is that correct, Dr. Kubulo? Yes, that's correct. Okay, well, it looks like we're learning things here. Sure. It's a tougher one, I think. Okay, just one question, one answer. There must have been some kind of malfunction, I think. Okay. Oh, unfortunately, the second answer wasn't complete. Okay. So I could only see hematoma. I don't know what was the rest. Okay. So yeah, but it seems the wrong answer. Okay. The answer's okay. They're coming through now here. It's a little better. Okay. What's the correct answer? Does anybody have a correct answer there? Hello, anybody? Okay, we'll go on to the next one. Last question. Okay. Sorry, I don't understand. Okay, we're getting a little attrition here. People are leaving. Okay. Hello, Dr. This one, it didn't show the correct answer. Okay, then. Yeah, it's supposed to have five answers. We're not allowed five. We're just allowed four. Wow, we didn't know that. Yeah. Okay. Okay, very good. Okay, I'd like to thank all you guys for participating. Dr. McComb, are you still there? Yeah, thank you for today. Oh, Dr. Matumi, are you still there? Yes, I'm here. Yeah, I don't see if your camera is not working. Is your camera working okay? There you go. Thank you very much. I appreciate your time. Do you like this platform? Yes. Yes, okay. Anything you want to do, anytime, just let us know, okay? Okay, thanks. If you want to give a lecture or you want to, whatever, just let us know. And that applies to Dr. Kubulo, who's been doing this for years. Right, Dr. Kubulo? Yes, Dr. Bennett. Yes, and we're expanding. We're getting putting questions on the presentation now. Of course. Okay, that's great. So we'll continue to improve. And thanks. Of course, this was a wonderful presentation. Yeah. I really enjoyed. Yeah. Yeah, I think in the future it'll give speakers ways to bring out certain points. Of course. Maybe a tool that some speakers will like. Okay, then we'll see you Monday, right, Ahanga? Unfortunately, not this Monday. Okay. I think we have a break for next week because we have a camp, hydrocephalus camp in DRC. So all neurosurgeons will be attending that camp. So I think we have a break, 1 week break, then we'll resume after that. Okay, well, we can televise that if you want. Yes, you can contact you once we are there. We'll be landing there on Sunday. Then I will let you know. Yeah, keep in touch. We'd love to televise it. It's okay. Dr. Bennett? Yes. You can still record live surgery. Yeah, we do that. We do live surgery. Some countries, you know, it's very, very difficult because of legal problems. Like what you did in Tanzania last year. That's right. That's right. Professor Ato. Yeah, that's right. That's right. That's right. Okay, Cornell Medical. Okay, everybody. Thanks a lot, and we'll see you next time. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, Doc. Bye. Okay, let me get I got to cut the YouTube.